Bonjour tout le monde et bienvenue à l'entraînement d'aujourd'hui. Je m'appelle Alexandre et je suis accompagné de Amélie qui va performer la version débutante aujourd'hui avec Tara qui nous accompagne aussi. Donc, dans l'entraînement d'aujourd'hui, on va avoir un circuit de 4 exercices qu'on va répéter 2 fois. Donc, premier exercice qu'on va performer aujourd'hui, genoux. Le deuxième, on va aller faire des burpees, ensuite des jump squats et on va finir avec des mountain climbers. Donc, on va commencer avec l'échauffement en premier. Pour partir, on va y aller avec des jumping jacks. Ça part dans une seconde. Let's go, c'est parti. Attention, Tara. On va faire ça pendant 20 secondes. Le but de l'échauffement ici, d'accélérer votre fréquence cardiaque, amener du sang et de l'oxygène dans vos muscles. On va éviter des blessures et on va se préparer à l'effort. Super, on va aller faire des rotations des épaules vers l'avant. Alors aujourd'hui, c'est un entraînement à haute intensité par intervalle. Ce qui est très important dans l'entraînement d'aujourd'hui, c'est que vous devez vous donner à 110%. On va faire des rotations vers l'arrière. Pour qu'un entraînement par intervalle soit bénéfique pour vous, il faut vraiment donner tout ce que vous avez. Aujourd'hui, on va faire des phases à l'effort de 40 secondes. Et on va faire des phases de repos de 20 secondes. Alors, on se détend un petit peu. On part ça dans 5 secondes. Premier exercice, on part avec les genoux. C'est prêt? C'est parti. Go! Alors, on essaie de monter les genoux jusqu'au niveau des hanches. On fait une course qui est sur place. Et on essaie d'aller le plus rapidement possible. 40 secondes. Ensuite, on va prendre 20 secondes pour se reposer. Comme vous voyez, Amélie amène ses genoux quand même jusqu'aux hanches. Alors, c'est important d'aller chercher une bonne amplitude de mouvement. Plus qu'à 10 secondes, on ne lâche pas. 3, 2, 1 et 0. Pause de 20 secondes. Je vous explique ensuite pour le burpees. Alors, ce que je vais demander, c'est qu'on va aller déposer les deux mains au sol. Si vous désirez, vous faites faire un push-up. Faites seulement vous laisser tomber au sol. On revient sur les deux jambes et on saute. On est prêt, ça part dans 2, 1. C'est parti, let's go, on y va pour les burpees. C'est un exercice qui est assez demandant. On essaie de donner tout ce qu'on peut. Si vous voulez, vous pouvez compter le nombre de burpees que vous faites. Lorsqu'on va répéter le circuit la deuxième fois, on va essayer de battre cette marque-là. On lâche pas plus que 15 secondes. On amène les bras vers le ciel. 2 secondes, on y va pour un dernier. Super pause. Alors ensuite, on va performer les squats. Je vais faire un jump squat. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va amener les fesses et les genoux en angle de 90 degrés ou légèrement plus bas si vous êtes capable. Vous n'êtes pas obligé de descendre les fesses jusqu'au sol. Alors, est-ce qu'on est prêt? Ça part en 3, 2, 1 et c'est parti, go! Assurez-vous de pousser avec vos pieds. Utilisez la force des jambes comme un rebond, un peu comme une trampoline. Les jambes vont brûler. On ne lâche pas, on y va encore pour 20 secondes. Et un dernier, super, parfait. Alors 20 secondes. Pour le dernier, on va faire un mountain climber que on va faire au sol. Ce que vous voulez faire, c'est d'amener le genou jusqu'au coude. On va les faire en opposé. Donc, votre genou droit, vous allez l'amener jusqu'à votre coude gauche et genou gauche jusqu'à votre coude droit. On est prêt? Ça part dans 3, 2, 1, et c'est parti, go! Alors, on essaie de bien croiser.
pas le plus rapidement possible. 3, 2, 1, super. Parfait, alors on vient de performer le premier circuit. On va y aller pour le deuxième. On fait exactement la même chose, seulement on essaie d'améliorer nos performances et le nombre de répétitions. On est prêt? Alors ça part dans 2, 1, et c'est parti, on y va avec les genoux. On essaie encore d'amener les genoux jusqu'au niveau des hanches. Alors 5, 4, 3, 2 et 0. On peut shaker un peu les jambes. Faire une petite danse. Sentez-vous bien à l'aise, vous êtes chez vous aujourd'hui. Dépensez de l'énergie et des calories. Vous allez vous sentir beaucoup mieux par la suite. Alors, dans 10 secondes, on va partir pour les burpees. J'espère que vous êtes prêts à la maison. Alors, on part ça dans 3, 2, 1. Let's go, c'est parti! Alors, on essaie d'en faire le plus possible. Vous avez vu, c'est lorsque les 40 secondes s'écoulent, on arrive à la fin et notre corps nous dit qu'il n'est plus capable d'en faire une autre. Secondes, on en fait un petit dernier, let's go! Super! Il reste seulement deux exercices et ensuite retour au calme et vous allez avoir déjà complété le petit entraînement de 10 minutes pour aujourd'hui. Alors j'espère que tout le monde est prêt. Dans 5 secondes, on y va! Avec les jump squats ou les squats. Et c'est parti, let's go! Yep! Utilisez bien la force des jambes pour pousser. Tout devrait se faire en un seul mouvement. Encore 5 secondes. Super. Il y en reste seulement un. Mountain Climber. Alors, comme je rappelle, on prend le genou et on va le porter au coude opposé. Prête? Oui. Alors, 2 secondes. 1. Et c'est parti, let's go. Je veux qu'on donne tout ce qu'on a. C'est le dernier exercice. Il faut qu'on pousse. Allez, let's go, c'est les derniers coups, on lâche pas. 3, 2, 1. Et voilà. Good job. Donc, on va y aller tout de suite pour le retour au calme. Très simple. On va essayer de restabiliser un petit peu la fréquence cardiaque. On va juste rapprocher les pieds un peu ensemble. Faire des grands cercles. On inspire lorsqu'on monte. Et on expire lorsqu'on va descendre. On va faire ça 5 fois. Super. Alors, j'espère que vous avez eu chaud comme moi. L'important, c'est que vous avez été capable de donner votre 110%. Tout le monde y va à son rythme. Le but, c'est de s'améliorer. On y va un jour à la fois, un entraînement à la fois. Et vous allez avoir des résultats qui vont vous plaire à vous-même. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié l'entraînement d'aujourd'hui. Et moi et Amélie, on va sûrement vous voir dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bye.